Donc voilà, nous avons donc ce La mineur. Je rappelle, donc l'annulaire donc sur la cinquième case, l'index sur la grosse corde, la corde de mi sur la cinquième case. Et si vous avez remarqué, en fait, la deuxième plus grosse corde, il ne se passe rien dessus. Et c'est une des difficultés de la guitare, c'est que quelquefois on a besoin d'autant de dextérité pour empêcher une corde de sonner que pour en faire sonner une. Puisque si on laisse des cordes sonner un petit peu n'importe comment, ça risque d'être le bazar. Donc en fait, la seule chose qui est un petit peu particulière ici, si je prends les six notes, donc en partant de la plus grave jusqu'à la plus aiguë, dans la position que je vous ai indiquée, ça va faire ça. Écoutez les unes les autres, les unes après les autres. En fait, dans cet accord-là, on joue assez rarement la note la plus aiguë, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est la deuxième. Écoutez la deuxième. En fait, il n'y a rien. Parce que si vous vous souvenez de la position, en fait, eh bien, la deuxième corde ne reçoit aucun doigt. Par contre, l'index, qui vient appuyer sur la plus grosse corde, en réalité, vient aussi étouffer avec la partie intérieure du doigt ici, avec la partie intérieure du doigt vient aussi étouffer la deuxième corde. Alors l'intérêt, c'est que d'abord, cette corde-là, du coup, on va pas l'entendre, parce que la note ne nous intéresse pas, et qu'en plus, ça va donner une espèce de percussion qui va donner un côté dynamique à l'accord. Donc si je le joue en fait d'un seul coup, cet accord-là, le son de la deuxième corde étouffée participe au son de cet ensemble.